Ali Makli, j'ai fait sa connaissance en 2007. C'est un laïc résistant algérien, kabyle et poète. Quelqu'un qui a donc connu les années noires entre 1990 et l'an 2000 en Algérie. Et c'était l'un qui était tributaire d'un visa du gouvernement algérien. Jusqu'au bout, il a espéré avoir ce visa et le gouvernement algérien le lui a refusé. Malgré tout, Ali Makli, que nous saluons du fond de sa Kabylie parce que nous savons qu'il nous regarde aujourd'hui sur Internet. Ali Makli nous a envoyé une contribution qui était un peu longue, ça ressemblait un peu à un discours de Fidel Castro, donc on s'excuse, mais on l'a un petit peu coupé. Et c'est donc Christine Tazin qui va vous le lire. Merci Alim. À vous tous et toutes qui êtes présents ce jour aux assises internationales sur l'islamisation de vos pays, celle du mien étant à l'état avancé, je vous salue très chaleureusement depuis ma Kabylie en Afrique du Nord. Les menaces de toutes sortes pleuvent sur moi depuis quelques jours. Et même si je suis conscient du fait que je suis isolée et vulnérable dans un pays de non-droit, cela ne fait que rendre ma détermination plus forte. Ainsi, sans pouvoir être avec vous physiquement, j'y suis avec ma pensée. Et je tenterai de vous livrer tout de go l'esquisse de ma vision du fléau islamiste à travers ce qui se produit en Algérie et à la lumière de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Le régime algérien, d'essence arabo-islamiste, bénéficie de l'aide et du soutien occidental et français pour se maintenir aux affaires en produisant la précarité sur le fond d'un génocide culturel et identitaire à l'origine du désarroi profond qui pousse quotidiennement des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, tous âges confondus, à fuir, coûte que coûte, leur pays, pour s'établir par tous les moyens, en Europe, en Amérique, mais surtout en France, où, pour des raisons plus ou moins évidentes, ils vont constituer puis élargir le vivier de l'islamisme rampant qui, exploitant les nouvelles précarités, cultive le sentiment d'exclusion, suscite la haine de ce pays d'accueil, coupable de colonialisme et autres, et défie la démocratie et la laïcité. Acculé en permanence et mis en demeure de s'accommoder chaque jour un peu plus aux préceptes de l'islam, aux valeurs de la culture bédouine et d'obtempérer aux sommations des sympathisants d'un certain Tariq Ramadan, chaque jour plus ostentatoire et plus coléreuse, la religion mahométane étant inversement incompatible avec les valeurs démocratiques, les droits humains et la liberté. Cette situation trouve donc une partie de son origine dans le soutien tangible qu'apporte l'Élysée à la dictature islamo-conservatrice d'Alger. Autrement dit, la fin du régime algérien et l'avènement de la démocratie en Algérie provoqueraient un traitement rationnel des gouvernés et une gestion plus ou moins transparente des affaires et des richesses de ce pays, ce qui se répercuterait positivement sur le cadre de vie des Algériens qui pourraient réapprendre à croire à nouveau en eux-mêmes et en leur pays. Cela freinerait inéluctablement le flux migratoire vers l'Europe en général et vers la France en particulier. Ainsi va du Maroc, de la Tunisie et de tous les autres pays concernés par ces questions. Conclusion, la démocratie et son socle laïque dans nos pays du Sud est la solution, entre autres, à l'émigration de masse vers l'Europe, ce qui ne serait possible que si les politiques français et européens cessaient de servir de béquille à des dictatures et à des régimes mortifères et obscurantistes en place. L'islam est la religion de l'État selon l'article 2 de la Constitution algérienne.
Les répercussions de cet article sur la société dans son ensemble sont assez édifiantes, puisque, pour ma part, je considère que si cette clause ne constitue pas la source essentielle de tous les maux qui se sont abattus jusque-là sur le pays, elle fait en tout cas partie des causes principales de la grande dérive algérienne. Alliant l'islam communiste au panarabisme abdénassérien, le régime algérien s'est attelé, dès le début, à réprimer toute idée de pluralité, de sorte que l'unicité de pensée et son corollaire, l'inquisition, étaient érigés en dogme officiel. Une langue, l'arabe. Une religion, l'islam. Un parti, le FLN. Un journal, El Mourtadjine, Jaïd. Une chaîne de télévision, la chaîne de l'État qui sévit encore à ce jour. Un président à vie. Cet état de fait s'était traduit sur le terrain par la monopolisation exclusive de l'information et des médias qui ont versé dans une propagande mi-communiste, mi-brejnevienne qui dure encore depuis 50 ans. L'école n'est pas en reste, puisque, relayant le discours officiel, l'esprit critique et la rationalité avaient été sacrifiés au profit du dogme religieux et du culte du régime qui s'en réclame. Toute voix discordante est tout de suite matée et réprimée. Les islamistes, après leur défaite militaire vers la fin des années 90, en dépit des connivences avec le pouvoir en place, défaite militaire due essentiellement à la résistance citoyenne, aux jeunes appelés dans l'armée, aux petits policiers du quartier, acceptent finalement ce jeu en eau trouble, en misant sur le long terme. Ainsi, dans une opération sans précédent de blanchiment d'argent de terrorisme et des terroristes, des égorgeurs et des violeurs reviennent par la grande porte, narguant la veuve et l'orphelin, se recyclant dans une économie de bazar et organisent des réseaux de soutien aux projets de construction de mosquées et de salles de prière qui s'emparent de la moindre parcelle ou espace vert dans les hameaux, villes, cités et quartiers. À l'ombre du chômage endémique, d'absence de loisirs, de culture et de lieux de détente, une jeunesse désabusée, constituant près de 75% de la population, est livrée sans défense ni protection aux prédateurs islamistes qui usent, sous le regard complice des autorités, de corruption et de mensonges pour attirer leur proie. Au mieux, ceux qui ont renoncé à la violence adopte une autre stratégie autrement plus rusée et plus dangereuse, consistant à reconnaître la défaite de l'action armée à laquelle il substitue le jeu démocratique de circonstances pour arriver un jour, peu importe quand, à réaliser leur funeste projet, abolir la démocratie et instaurer la charia. Hitler, puis l'ayatollah Khomeini sont passés par là. À l'heure actuelle, leur prosélytisme n'a rien à voir avec tout ce qu'un esprit saint peut imaginer. Sans pouvoir énumérer ici toutes les activités auxquelles ils s'adonnent, je citerai ces exemples. Des crèches sont ouvertes pour y accueillir les bambins qui, à défaut de pédagogie et de jeu d'éveil, se retrouvent dans l'initiation à la pratique de l'islam et au rejet de tout ce qui n'en soit pas conforme. Des adolescents, souvent en proie à des frustrations multiples, à des tensions familiales et au désert culturel, sont vite repérés, approchés, soudoyés et enrôlés pour se voir confier des tâches consistant à distribuer à titre gracieux des CD de prêche souvent virulents, des exemplaires de Coran, des hijabs aux enseignantes, aux lycéens et aux collégiennes. Dans leur travail de sape et de manipulation, les intégristes qui prennent d'assaut ces populations vulnérables, ces régions et ces contrées de misère qui n'est pas que matérielle, usent donc de tous les moyens imaginables et inimaginables, s'appuyant à la fois sur des procédés traditionnels et modernes, tels que les supports numériques et le web, en passant par les médias, l'école, les lieux de culte, les organisations de masse et de jeunes, les jeux pour enfants. Ainsi, dans plusieurs endroits du monde, Barbie, Blanche-Neige et Cendrillon sont mises à contribution pour inculquer dès la prime enfance l'idée du voile et du tchador, puisque les jeux de cartes pour enfants, des cartables, des trousses, des stylos, des règles sont frappés de leur effigie portant le voile. Pas plus loin que le 27 octobre dernier, la presse algérienne
a rapporté une information qui relevait d'une large entreprise de mystification des mentalités. Puisque ce genre d'intox tente à réapparaître sur la scène médiatique après avoir disparu depuis l'arrivée de Boudiaf au sommet de l'État en 1992. Il est simplement question du miracle de Dame Nature, le nom d'Allah gravé sur une raie. Cela donne des sueurs froides dans le dos, puisque cela faisait partie de l'arsenal de propagande des islamistes durant les années 80 et au début des années 90, où, je me rappelle très bien avoir lu des brèves largement reprises et qui parlaient d'une pluie de sang en Inde, du nom d'Allah marqué sur un poisson qu'un pêcheur de la banlieue d'Alger aurait pêché, de la prétendue reconversion à l'islam du commandant Cousteau et même de Michael Jackson. L'apogée de ce délire collectif fut atteinte quand, par la technologie qui fut convoquée pour montrer que Dieu soutenait le fascisme vert, l'expression « Allah Akbar » fut projetée par un laser dans le ciel du plus grand stade de football en plein meeting d'un mouvement intégriste. Plusieurs d'entre eux s'étaient évanouis devant le miracle. Résultat, près de 200 000 morts entre 1992 et 1998, une barbarie jamais égalée, des méthodes de tuer inédites en cruauté. Ce tableau succinct aide à comprendre la violence inouïe avec laquelle le citoyen algérien est soumis à un endoctrinement rigoureux et systématique et comment il a été des années durant conditionné par l'omniprésence de l'islam pour fabriquer des générations entièrement coupées de leurs repères socio-culturels et dotées d'une identité de substitution qui les met souvent en conflit avec leurs ascendants et leur milieu social, constituant de ce fait une véritable réserve pour les recruteurs terroristes. Permettez-moi de terminer mon propos en citant quelques éléments tangibles que j'avais relevés sur ce qui se passe en Europe. Des tribunaux d'arbitrage religieux musulmans existent en Angleterre, prochainement en Écosse. En Grèce, la charia est appliquée en Thrace. En France, une fatwa a été proclamée lors des émeutes de 2005. Des prières massives se font dans les rues, des mosquées, d'autres salles de prière voient le jour partout. Le voile et les camis narguent les valeurs et la culture française. Au Danemark, des émeutes ont eu lieu. L'organisation de la conférence islamique veut criminaliser la critique de l'islam. Et l'un de ses personnages influents, le Premier ministre Badawi, avait demandé il y a quelques mois à ce que les musulmans d'Angleterre puissent vivre sous la charia. Des citoyens effarés en Algérie ont découvert ce qui relève de l'inconcevable. Un Français né en France débarque de l'Hexagone, portant une barbe hirsute, un camis, s'exprimant dans un français à l'accent provincial et qui voulait faire le prédicateur en Kabylie. Et les gens étaient scandalisés. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur surprise et ont dit « qui l'aurait cru ?» Avant, les fanatiques sermonneurs arrivaient d'Orient et d'Afghanistan et ils rasaient les murs quand ils s'adonnaient à leur prosélytisme. Aujourd'hui, c'est la France qui devient exportatrice de l'islamisme. Étant dans une logique de conquistador, les islamistes considèrent que chaque pays est une spécificité qui appelle une islamisation appropriée, car, au demeurant, les Européens doivent se rendre compte que l'international islamiste est convaincu d'arriver à islamiser toute l'Europe en exploitant les défaillances de ses lois et les connivences de ses dirigeants. Quand le mégalomane Kadhafi prédisait récemment une islamisation totale de Bruxelles dans quelques années, certains crédules des sphères dirigeantes en Europe en avaient tout simplement ri. Merci pour votre attention et bons travaux aux assises. Salutations laïques et amicales à tous et à toutes.